et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo spéciale, on va dire anniversaire. Anniversaire de la Chouquette et surtout petit cadeau pour les enfants qui ont été là à l'anniversaire. Et on commence cette vidéo tout de suite. Ok les gars, alors j'ai été dans deux actions différentes parce que j'avais très envie de faire en fait un petit panier, enfin des petits cadeaux pour les enfants qui allaient venir à l'anniversaire de ma Chouquette. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure. J'arrive pas à parler, ça commence déjà. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure et je me dis que ça ferait une très bonne idée pour vous de vidéo si vous voulez. Voilà, si vous faites l'anniversaire d'un de vos enfants et que vous avez envie de faire des petits cadeaux pour les gens qui viennent. Alors en premier, pour 79 centimes chacun, j'ai trouvé des petits livres comme ceci Disney. Le petit truc qui est un peu chiant en fait, c'est que il faut les... Bon, celui-là, ça va... Non, tu vois, les pages, elles sont un peu collées. C'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ouais, les pages, elles sont un peu collées. Donc, il faut juste, du coup, les décoller légèrement et surtout tout doucement pour pas abîmer le livre. Je sais que des faux ongles, c'est pas facile. Donc, j'ai trouvé celui de la Reine des Neiges, comme ceci. Alors, je vais pas faire de pochette exprès fille, exprès garçon. Surtout que le problème que j'avais, c'est qu'il y a des parents qui m'ont pas répondu. Donc, j'ai préféré partir sur un maximum d'invités potentiels. Quitte à donner des pochettes surprises à des gens, à des amis. Donc, j'ai pris ensuite le Roi Lion, comme ceci. J'ai trouvé Cars. Hop. J'ai trouvé... mini, et franchement ils sont trop mignons ces petits livres. Cendrillon. Hop, je sais pas qui c'est elle, Elena, je ne la connais pas, pourtant c'est un Disney, je connais pas du tout. Est-ce que vous la connaissez celle-là? Et j'ai repris encore deux Reines des Neiges et un autre Roi Lion, parce que je me dis Roi Lion, ça fait tant fille que garçon, même si voilà, moi je n'aime pas trop les préjugés comme ça. Et donc du coup, il se présente comme ceci. Et ça, je vais décoller bien toutes les pages et je vais en mettre un dans sac petit sac. C'est pas facile à dire. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que tous mes sacs sont là. Après, vous verrez une accélération. Je vais mettre tous les petits sacs et ensuite, je vous montrerai du coup ce que ça fait visuellement le contenant de des pochettes surprise. Donc pour 49 centimes, j'ai trouvé des petites aboles comme ceci à colorer, vraiment tout mimi. Je voulais prendre des crayons, mais il n'y avait pas des tout petits kits de crayons. Hop, vous avez des animaux divers et variés. Donc j'ai pris celui-ci avec les flamants roses. Le perroquet. On a pris plusieurs de chaque. Enfin, encore un perroquet. Coco. Hop, des petits animaux de la ferme. Donc à chaque fois, je pense que les coloriages, ouais, c'est ça. T'as des trucs plutôt de la ferme. Hop, encore la ferme, là. Oh, bébé. Petite sirène. Trop mignon. Petite sirène, j'aime trop. C'est trop chou. On continue. J'ai trouvé donc des sacs en papier pour 59 centimes. Alors, ah non, oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Sac cadeau, oui, c'est ça, confetti. Pour 59 centimes, j'ai trouvé des petits sacs comme ça. Honnêtement, il n'y avait pas grand choix. Donc j'ai trouvé ça avec des espèces de paillettes à l'intérieur. Il y en avait des verts, mais il n'y en avait pas 8. C'est un truc qui est chiant, en fait. Les parents vont me détester. C'est que vous avez des paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça se fait. Si, tout simplement parce que vous avez le truc comme ceci là. Et du coup, les parents vont vraiment me détester. Parce que ouais, ça fout des paillettes partout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tous mis là. Et après, je vais les remplir totalement. Et ça, franchement, c'était pas cher. 59 centimes, ça vaut carrément le coup. Il y a certains trucs qui ne sont pas pour les enfants. Ok, quoique non. C'est pour moi parce que ça, c'est juste trop bon. Ça coûte 2,29€ l'unité. Oh, c'est de la tuerie intergalactique. Il y en a 5 à l'intérieur. Et à chaque fois, dans un petit sachet, vous en avez 2. C'est de la bombe de balles. Lady, si tu passes par là, ça, c'est la vie. C'est la vie. La dernière fois, j'en ai mangé un. J'en ai donné un à mon chéri. Il m'en restait 3. Je me suis enfilé les 3 dans mon lit tellement c'était bon. Je les avais mis dans ma cachette secrète. Oh, c'est délicieux. C'est délicieux. Par contre, c'est tout petit. Mais c'est hyper bon. Je connaissais pas. Et grosso modo, c'est du Snickers avec du creamy. Je vous montre même pas ce que c'est. Du beurre de cacahuète. Mais c'est pas écœurant comme le Reese's. Oh, ça passe tellement crème. Ça passe trop bien. C'est juste trop bon. Ensuite, ceci. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais moi, je vais vous avouer que je sais pas ce que c'est. Chercher à mettre un espèce de petit goodies, en fait. Et je vous avouerai que c'était un peu compliqué de trouver quelque chose qui fasse aussi fille que garçon. Donc, j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que c'est. Donc, J'en ai pris 4 au total. De toute façon, à chaque fois, là, il y a plusieurs éléments, ce qui est totalement normal. On va l'ouvrir ensemble parce que je suis un peu...
je m'interroge un peu et ça a coûté 99 centimes l'unité. Donc déjà, packaging de ouf. Voilà, on aime, on adore Action arrêter de faire autant de choses. Et j'ai l'impression... Ok, donc vous avez différents coloris. Là, c'est une espèce de petite fraise comme ça. Hop. Et dedans, je pense que vous avez un personnage, si je dis pas de bêtises. Mais je sais pas ce que c'est. Sur la boîte, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de photo, ni quoi, ni caisse, et je vais pas vous l'ouvrir. Mais j'arrive même pas à voir. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais je crois qu'il y a un espèce de petit personnage à collectionner éventuellement. Et je pense que c'est par rapport au... Ah, il y a ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit bonhomme. Qu'il y a un petit bonhomme et autre chose. Je sais pas. Dans tous les cas, s'il y a un gamin qui vient pas, hop, j'en garderai un et je vous montrerai ça dans les vlogs. Mais je trouvais ça plutôt rigolo. Voilà. C'est mignonné. Et c'est tout mou. Hein. Après, du coup, ouais, c'est... faut pas donner ça à un enfant très 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 jeune, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas marqué. Plus... 4 ans et plus. J'espère que ça va le faire, les parents vont vraiment détester. Pour 69 centimes, j'ai trouvé des espèces de spirales comme ceci. Alors soit tu peux soit les utiliser pour décorer chez toi quand tu vas faire des anniversaires, mais moi je me dis que ce serait peut-être pas mal de les mettre dans les trucs. C'est joli. Non, c'est inutile au possible et puis ils vont péter ça les enfants. Bon, ça peut être joli. Je pense que... Mais merde, du coup, une fois que j'ai ouvert, on peut pas le... La boulette, c'est moi. C'est pas grave. On verra ça plus tard. Mais ouais, je pense que je vais pouvoir réussir à la re-ranger. Étiquette cadeau. J'ai trouvé un truc trop bien. Je me suis dit, pour les swaps, ça peut être super sympa. Parce qu'à chaque fois, moi, je vois des choses comme ça. Mais j'arrive jamais à en trouver. J'en vois dans les différentes vidéos. Mais moi, j'en trouve pas. C'est 69 centimes. C'est des petites... Je sais plus comment ça s'appelle, mais des étiquettes là pour mettre sur les cadeaux. Et pour les swaps, ça peut être cool. Je pense qu'il y avait d'autres couleurs à l'origine. Et là, bon, celui-là, il est parti en sucette. Mais il y a différentes roses. Il y a un rose bien pailleté. Là, il y a de la paillette. Là, il n'y a pas de paillette. Mais tu vois, c'est deux roses différents. Et il y a celui-là où il y a encore plus de paillettes à gros grains, pour son moment, on va dire. Et à l'intérieur, vous avez 20 pièces. Donc c'est cool. Vous avez grave de quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ça veut dire 4. Les calculs sont bons, Kevin, ou pas? Ça veut dire 4 de 5. Et franchement, ça peut être chouette pour un futur swap. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Cadeau à distribuer. Qu'est-ce que c'est, les cadeaux à distribuer? Moi, je distribue rien du tout. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Cadeau à distribuer. On va dire que c'est ça. Pour 79 cents. Non. Oh, j'en sais... Un truc que j'ai acheté 4 fois. Qu'est-ce que j'ai acheté 4 fois? On va dire que c'est ça. Pour 79 centimes, j'ai trouvé... c'est des puces, tout simplement. Tu te souviens des puces quand t'étais petit? J'adorais ça. Alors, vous avez du coup divers coloris. Hop, j'en ai pris deux de chaque. Comme ceci. Et ça, en fait, c'est tout simplement des pupuces. Des pupuces que tu prends et qui sautent ensuite. J'adorais ça. Mais c'était absolument pas le même genre... C'est pas le même style que j'avais moi quand j'étais petite. Les miennes, elles étaient un petit peu plus grosses. Et surtout, elles n'avaient pas de picotis. Je sais pas pourquoi il y a des espèces de picotis là. C'est très chelou. C'est compliqué, la force. Heureusement que je leur prépare leur petit cadeau. Hein. Donc, elles sont comme ceci. Et là, tu vois, t'as des picotis. Je sais pas pourquoi. J'ai peur. Aïe! Quand ça t'éclate dans la main, juste trop mal. Aïe! Mais c'est pas possible, c'est super dangereux ça, je vais tuer un gamin en leur donnant ça. Mais c'est nul! Elle éclate avant que j'ai pu lui dire de s'éclater. Tu vois un peu l'idée? Ah le bordel! Je sais pas si les cadeaux je les donne avant ou si je leur donne quand ils partent. Peut-être que ce sera une meilleure idée de leur donner quand ils partent parce que comme ça, ça fera un peu moins de bordel. J'ai trouvé des trucs super sympas pour 79 centimes l'unité, des pupites. Regardez-moi tout ce que j'ai pris. On dirait une vendeuse au marché. Donc c'est 79 centimes et tout simplement, c'est trop mignon, c'est trop chou. Humble. Donc des pupites comme ceci et ce qui est en forme de... Comment tu t'appelles? De méduse? Ouais, c'est une méduse, ça. Ouais. Donc, tu peux la retourner. Donc, ça fait un peu penser au truc, là, qui faisait la tête. Après, t'es content. Après, tu fais la tête. Et en plus, ça fait... Ça peut pas être de ouf, tu vois, mais ça peut pas être quand même.
Donc, je me dis pareil, ça peut être très sympa. Par contre, putain, ça va la pollution? Regardez-moi ça, ils ont mis carrément une chaîne comme ça. Ils abusent de ouf, quoi. Je vais peut-être les garder, les chaînes. Ou pas. Mais voilà. Il y avait divers couleurs. Donc, vous aviez un espèce de bleu-violet. Vous avez un rose avec du jaune. J'en ai pris trois comme ça. Vous aviez un rouge-violet. C'est une couleur assez particulière, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est sympa quand même. Et vous avez un vert comme ceci. Donc, j'ai pris vraiment toutes les couleurs. Et voilà. Je vais pouvoir partir aller les vendre au marché. J'en ai pris 8, comme tous les sucres, j'en ai pris 8. J'ai pris des bons becs pour 3,85€. Des bons becs comme ceci que je vais mettre sur la table, tout simplement. C'est des trolleys, j'adore de ouf les trolleys. Vous avez un mélange, vous avez des voitures, les bouteilles de coca. Mais c'est tout, tout gélifié. Tu vois un peu l'idée. Des dauphins, des orques, des baleines, des chevaux. Il n'y a aucune cohérence dans cette grosse boîte. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Nestlé Smarties. Bah oui, j'ai pris des Smarties pour mon chouki. Ah non, c'est pour les enfants. Pareil, c'est pour les enfants. Pour 1,59€, vous avez 11 petites boîtes à l'intérieur. Et ça, ça va être nickel chrome. Voilà, puis sachet de Smarties que je vais mettre aussi également dans les petits pochons. Mais je crois que j'ai pris aussi des Smarties pour moi. Pour 1,89€, j'ai pris une petite table comme ceci. Enfin, une petite nappe comme ceci. Pour la chouquette, c'est une petite nappe en plastique, en fait, très très fine quand même. Mais je trouve ça super top. Alors, on a déjà une qu'on a utilisée pour fêter son anniversaire avec la famille. Désolée pour le bruit. Mais je voulais vous l'ouvrir. Mais en fait, grosso modo, vous voyez, t'as des espèces de licornes et tout. Et franchement, je trouve ça super sympa. Par contre, elle est pas très très grande. Ce qui fait que j'en ai pris une deuxième pour pouvoir faire la totalité de la table. Elle fait 1m80 sur 1m40. Elle est pas énorme, énorme, énorme. Donc, elle est quand même sympa. Donc, du coup, j'en ai pris une deuxième. Comme ça, on aura vraiment toute la table licorne. Et plus je suis en train de parler, et plus je me dis qu'il faut vraiment que je m'excite pour faire la vidéo. Parce que, pour faire la préparation, parce que ça va être un peu compliqué. J'ai repris des ballons pour 99 centimes. Là, j'ai pris des ballons un petit peu de toutes les couleurs, comme ceci. Ils font 25 cm de diamètre et ils sont un peu néons. Tu vois un peu l'idée. Je me suis dit que j'allais les mettre et puis que j'allais les mettre genre à la porte, les machins, les trucs comme ça, et les mettre dans la maison pour que les amis, pour que les enfants s'amusent avec. Mon chouki, personnellement, il s'amuse, il le prend, il fait des coups de rein comme ça dans le ballon, juste pour les détruire ou sinon il les croque. Il kiffe péter des ballons. C'est trop bizarre, mais après, faut que je me dépêche de dégager le surplus parce que tu bouffes un ballon, t'es plutôt pas bien. Au tout départ, j'avais pris pour 1,79€ et au final, ça coûte pas mal cher. Des petits sachets comme ceci, Peppa Pig, pour mettre des bons becs, vous en avez 15 à l'intérieur. La dernière fois, j'en avais pris estampillé Reine des Neiges et tout. Mais dans l'autre magasin, j'ai trouvé les petits sachets comme ça et je trouve ça plutôt mignon. Ils sont plutôt pas mal ces sachets. Après, ils sont chiants parce que t'es obligé de... T'as ton sachet comme ça et t'es obligé d'écarter les deux trucs et des fois, tu galères de ouf. Un peu comme dans les magasins où tu trouves... T'arrives pas à les ouvrir. Voilà, ils existent aussi Reine des Neiges et avec toutes les catins. Mais là j'ai pris Peppa Pig, mais au final je vais pas m'en servir, mais je me dis ça pourra toujours servir à un moment donné. Peut-être que je vais en prendre un deuxième pour bon, je sais pas, pour l'anniversaire de Chouki l'année prochaine, je sais pas. Mais moi personnellement ces sacs là je les ai utilisés pour la chouquette, pour qu'elle apporte à son anniversaire à l'école. Ensuite pour 28 centimes j'ai pris, on est obligé de prendre ça, des trucs pour faire les bulles là. Je vous dis, les parents ils vont vraiment me détester parce que quand on offre ça à moi, à mes gamins, bah en fait ça me saoule, mais après je comprends parce que c'est pas trop trop cher. Donc des trucs voilà classiques pour faire des bulles. Là vous avez un espèce de truc comme ceci là pour faire la bouboule, mettre la bouboule dedans. Est-ce que quelqu'un se sert de ça ou pas? Moi je me souviens que j'adorais faire le truc de la bouboule quand j'étais petite. Vous en avez Spider-Man, vous en avez Baby Shark, Baby Shark. J'aime trop, il fait ce qu'il fait. Mama Shark. Et quand il fait Papa Shark. La même fois, j'ai regardé le clip. Vous en avez de la pâte patrouille, vous en avez Cars. Et vous en avez encore de pâte patrouille. Hein. Spécial pâte patrouille, on est des mecs, qu'est-ce qu'il y a? Et spécial pâte patrouille, on est des filles, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'aime bien, j'aime beaucoup parce que les mecs, ça me saoule les stéréotypes. Ah non, ça va, il y a un Marcus là. Ça va, j'ai rien dit. Il y a Marcus. Mais ça faisait genre les mecs, ils étaient dans l'action en train de bondir et les filles, elles étaient sages comme ça. Elles prenaient la pause. Et ça m'énerve, hein, ce genre de stéréotype. Je suis pas du tout féministe et tout, mais à un moment, faut arrêter deux minutes avec les stéréotypes. J'ai trouvé pour 1,29€ des autocollants. C'était cool parce qu'ils étaient vendus par 4. Donc j'ai pris. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah mais il n'y a pas Liberty encore, il n'y a que de nana pour le moment. Donc, pas de patrouille, des stickers. Hop, trop très bien. Des petits stickers ronds.
Baby chat. Hop, comme ceci. Que je mette pareil dans le truc. Ça fera toujours. C'est toujours plutôt sympathique. Hop. On continue, les gars. Souffleur, autocollant, nanana. Ah non, j'ai dit des bêtises. Les petites méduses, c'était 99 centimes. Autant pour moi. J'ai pris des Kit Kat pour 1,59 euros l'unité. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, ça va. 3 x 3, 9. Donc c'est cool. C'est des sachets individuels comme ceci. Pareil que je pourrais mettre, du coup, dans les petits sacs. Ensuite, bâtonnet fluorescent pour 69 centimes. Alors, mon chien, la dernière fois, il avait acheté ça et je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Par contre, je ne vais pas réussir à l'ouvrir. Mais en fait, grosso modo... Ah! Il est horrible ce haul ou pas? Oui, il est vraiment horrible. Mais... Ma mère me verrait, elle me tuerait, quoi. Pourquoi je me lève pas pour aller chercher des ciseaux? Je ne sais pas, j'ai la flemme de ouf, surtout qu'au montage. Eh ben c'est super chiant pour fou. C'est bon, j'ai ouvert. Hop. Oh, c'est une galère ce truc. Donc ça en fait, grosso modo, ce sont des bâtons comme ceci que tu prends. J'ai pas les... Ok, il y a des petits trucs comme ça, faut faire attention. Donc du coup, tu prends un truc comme ça. Hop. Tu mets ça, tu le pètes, tu l'écrases dans tous les sens et ensuite ça te fait un bracelet coloré. J'en ai combien à l'intérieur? J'en ai 15, mais ça sert à rien que j'en pète un pour le plaisir d'en péter un. Mais voilà, tu vois. Et puis après, has certain nice fever, like a jack do it. Je me suis dit que ce serait sympa aussi, mais par contre, ouais, faut faire attention aussi. J'ai acheté des choses plutôt dangereuses. Pour 1,29€, j'ai pris des Kit Kat, enfin des Lentil Cake pour mon petit Chouki, parce qu'il adore les Kit Kat. C'est pas des Kit Kat, c'est des M&M's. Des Smarties. Autant pour moi, des Smarties comme ceci pour mon petit Chouki, pour qu'elle mette dans son petit yaourt. J'ai acheté des balles rebondissantes. Oui, je suis une maman exécrable. Des balles rebondissantes comme ceci pour 99 centimes. Elles sont toutes petites. Elles sont toutes mimi. Voilà, je vais en mettre un dans chaque petit pochet. Des Nestlé, hop, célébration, 4,39€, un petit sachet de célébration comme ceci, parce que je veux les donner au monsieur qui s'occupe de ma petite chouquette pour prendre le bus, parce que j'arrive très souvent à la bourre, et donc du coup, pour m'excuser, je vais lui ramener un petit, des petits chocolats, j'espère que ça lui fera plutôt plaisir. Je me rends compte que j'ai fini cette vidéo, je retrouve tout de suite avec les sachets, les sachets, une fois rempli. Autant pour moi, j'avais oublié de vous dire que j'avais acheté une boîte de trolley comme ceci, et ça c'est 5,30€, plein de petits hamburgers, je sais pas combien il y en a, mais au total vous pouvez largement faire une classe complète, plus pour vous, c'est des petits sachets de trolley, et ça c'est super bon. Je crois qu'ils existent aussi en grand format, si je dis pas de bêtises, mais là c'est des petits formats, et je trouvais ça plutôt sympathique pour mettre dans le... J'ai vraiment pas de force aujourd'hui, pour mettre tout simplement dans les petits sachets que je vais faire pour les enfants, pour l'école. Alors voilà, bien sûr, on est d'accord, il y a énormément de plastique, tout ce que tu veux. Je suis d'accord avec toi, Roger, mais c'est pas moi qui fait, c'est pas moi qui fabrique, hein. Ok, donc me tapez pas. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas trouvé sur les tickets de caisse. Moi, ça m'arrive de plus en plus qu'en fait, ils oublient des choses à la caisse. J'ai pris des petits ressorts comme ceci, ça c'est très très bien et ça fait le job. Ils sont assez résistants si t'as pas un gamin qui va tout défoncer. Donc c'est des petits trucs comme ça. Ma chouquette, elle en avait un. C'est à cause de Nani que je fais des petits pochets, parce que quand elle était au mariage de Nani, elle avait fait des petites pochettes comme ça et je trouvais ça plutôt cool. Et donc, hop, des petits... comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Mais il y a plein de couleurs différentes. Et comme je vous le disais, j'ai fait deux actions, parce que le premier action que j'ai trouvé, il y avait absolument pas... il y avait absolument pas ça. Pourtant, je sais qu'ils font des goodies et tout pour les enfants, mais là, tous les trucs, c'est les seuls trucs sympas que j'ai trouvé. Normalement, il y avait des grenouilles sauteuses, des machins, des trucs que j'ai absolument pas trouvé. Et j'ai pris pour 79 centimes également des espèces de petites médailles comme ceci. Alors, je vais voir. Peut-être que je vais les mettre aux enfants quand ils partiront. Ou alors, peut-être qu'on va faire un espèce de jeu. Faut que je joue avec mon frère qui sera avec moi, un espèce de jeu. Et du coup, je leur donnerai la médaille. Ou alors, merci d'avoir été là aujourd'hui et puis je lui donne ta petite médaille. Je sais pas. Alors oui, ça fait très quincaille. J'espère de ouf que les parents vont pas dire « Ah, mais ça fait quincaille » ou je sais pas quoi. J'espère qu'ils... Je sais pas. Dans tous les cas, je pense que ça fera plaisir et vous en avez par pochet. Elles sont très, 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 très légères. C'est pas de l'or, hein. Vous en avez 5 par pochet. Allez, je vais mettre tout ça dans les sachets et j'arrive tout de suite.
les gars, j'ai fini mes petits pochés. Donc du coup, ça donne ceci. Donc ça fait assez conséquent, je trouve, parce que tu peux vraiment... Enfin, tu remplis vraiment tout le pochet, ça fait un truc plutôt sympathique. Donc tout ça à l'intérieur, toutes les choses que je vous ai montrées. Je voulais revenir juste vite fait sur quelques points. Donc j'ai pris la médaille. Je pense que la médaille, je leur donnerai à la fin quand ils partiront. Ça sera plutôt sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de savoir. Par contre, ouais, deux points. J'ai pas mis ces trucs là parce que je me dis que ça va être trop chiant et que ça va vite se casser et que c'est un peu inutile en fait pour les enfants. Autre point par rapport à ces trucs là, faites attention parce que donc vous prenez les espèces de petits fruits et une fois que vous enlevez, une fois que vous prenez les fruits, en fait il y a des trucs en fait en dessous, il y a un petit machin comme ceci, donc qui je pense s'apparente à un petit personnage, donc du coup je le mets à l'intérieur. Ce que je vous avais pas dit, j'avais pas capté que ça sentait un petit peu le fruit, mais vraiment très très légèrement, donc c'est plutôt chouette. Et par contre je sais ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est ces espèces de petits bonhommes chelous et franchement ils sont trop mignons. Oh, ah oui, il y en avait plein. Vous avez ceux-là et vous avez ceux-là. Très sympa. J'ai bien fait de prendre ce petit truc là. Très 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 mignon. Et par rapport à ça, ce que je voulais faire en fait, c'était mettre l'espèce de petit tirlikiki pour que les parents puissent l'accrocher, tu vois. Mais quand tu l'enfonces, c'est tellement fragile que ça a tendance à se péter. À se péter ici, et tu vois le principe de ce truc là, quand tu l'actionnes, tu fais ça, hop, tu le pètes dans tous les sens, et ensuite tu mélanges tout, et puis ça donne un petit bâton lumineux comme ça. Donc faites super gaffe, voilà, si vous prenez ça, je pense que l'idéal ce serait de pas rajouter ce petit truc là, parce que quand tu essayes de le mettre, et ben ça fait crack, tu le pètes à un moment donné, c'est super joli. Je vais voir, je pense que ceux là ils sont foutus parce qu'ils sont déjà actionnés. Donc c'est pas grave, mais ça flèche quand même. Il y en a des blancs, pour information, les blancs, hein, ils font bleu, enfin ils font violet, comme ça. Donc je vais en rajouter, hop, un dans chaque truc. Ah non, je vais les donner aux enfants, tout à l'heure. Hop là, donc voilà, tu vois les petits néons, ambiance fever, tu vois ce que ça donne. Ça dure 2-3 heures à peu près. Alors il y en a qui éclairent beaucoup plus que ça. Mais ça reste quand même super joli. Je suis dégoûtée de les avoir craqués en voulant les ranger, mais comme ça, vous savez du coup ce que ça donne. Yeah, baby. Et Lou, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a donné des idées cadeaux pour les enfants, pour vos anniversaires, pour les anniversaires. Oh, des gros bisous. N'hésitez pas à regarder cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.